Eh bien, bonjour YouTube, bienvenue sur The Last of Us partie 2, épisode quelque chose, je t'avoue que je ne sais plus. En tout cas, on a vécu des scènes très prenantes à la partie précédente. On a buté Owen, on a buté Mel qui était enceinte, Ellie est full trauma. On est retourné voir Dina, Dina qui n'a pas l'air en forme d'ailleurs, soit dit en passant, toujours un peu dans le mal. On a retrouvé Tommy, enfin plutôt Tommy nous a retrouvés. Malheureusement, Abby n'était pas à l'aquarium. Malheureusement, Abby a trouvé la carte où était indiqué l'emplacement du théâtre où nous nous cachons. Et malheureusement, Abby, en voyant tous ses potes morts, est venue elle-même se venger. Vengeance contre vengeance, tout ça. Elle a buté Jesse en deux frames. Et on nous a laissé avec l'arme en joue sur Ellie. Et Tommy blessé, je crois. Et paf! Changement de point de vue. On passe sur le point de vue de Abby. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est un point de vue qui va durer longtemps. Hein. C'est pas juste un petit flashback, c'est vraiment une grosse phase. On va pouvoir un peu mieux comprendre les tenants et les aboutissants, même si Ellie, d'ailleurs, l'a formulé à haute voix. Hein. Elle a compris que c'était des lucioles qui se vengeaient du fait que Joël ait cancel le vaccin, on va dire. Cancel l'espoir. Je dirais qu'on est arrivé à la moitié. Je pense qu'on est un tout petit peu plus que la moitié. Mais ça reste encore très long. Hein, et surtout, en fait, c'est long parce que vu qu'on avance dans le jeu, les phases sont plus difficiles, du coup, on traîne plus en longueur. Mais bref, là on est 4 ans plus tôt, avec Abby un peu plus jeune, qui cherche son papa dans la forêt. Allons-y. Un peu avec ça. Et il est où, papa? Je tourne en rond, en fait, comme un connard. Papa serait peut-être un petit blagueur. Où est ton papa, Abby? Il est mort? Où est ta maman, Potter? Zoolite Festival. Oh là là. Mais bon, j'ai 20 ans de retard, quoi. Pendant les fêtes, embarqué pour une incroyable virée nocturne à travers une forêt illuminée, un tunnel d'étoiles et des dizaines d'animations lumineuses époustouflantes mettant en scène vos animaux préférés. Et oui, les rennes sont de retour. Réservez dès maintenant, du 14 octobre, décembre, janvier. Le chacha. Au 0800? 800, hein? C'est pas vrai. Nous avons une bouteille. Personne n'a de nom de famille dans The Last of Us. Bah, je crois que Joël. Si, je crois que Joël en a un. Ça a marché. Ouais, Miller.
Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. On peut pas passer par là. Je peux peut-être monter sur le toit. Oh. Visez-moi ça. 1978. C'est parti. Là. Un joli sou. Ok. Bon, le papa, dès que je le trouve... Je lui éclate la gueule contre le carrelage. Il laisse sa fille tranquille, là. Enfin, tu laisses pas ta fille toute seule, non? La classe, Abby. Jeune ou pas jeune? Je sais pas, à quoi il joue? Abby. Tu as de la boue un peu partout, chérie. On a aussi. Où ça? Juste là. Oh. Tu sais, à chaque fois que tu disparais, c'est moi qui me fais engueuler. Arrête. C'est dur à croire, mais il s'inquiète pour toi. Il n'y a aucun danger ici. Papa. Abby, elle est dans le coin. Je l'ai vue de l'autre côté de ces arbres. Et alors? Elle va bientôt mettre bas. On l'observe juste un petit peu et on rentre. Je te le promets. D'accord, mais on se dépêche. Heureusement, j'ai ma petite fille pour me protéger. On peut pas te protéger si tu te barres de 50 mètres devant. Owen a vendu la mèche, c'est ça? Il a fait ce qu'il fallait faire. Et pourtant, j'aurais de rien dire. Comment t'as fait pour qu'il parle? Je lui ai demandé. Ah. Elle a dû traverser l'aire de jeu. Viens. Hé, hey, regarde un peu ça. Oh, waouh. 1978. Je l'ai pas dans ma collection, celle-là. Allez, à toi. Si tu promets de jamais refaire un coup pareil. Alors, marché conclu. Je te crois pas du tout. C'est vraiment mal me connaître. Allez, viens. On s'y remet. Papa. Détends-toi. Tu retrouveras Owen dans pas longtemps. Tu trouves qu'il a la même voix que Tommy? Je crois pas. Rien. Tu passes beaucoup de temps avec lui en ce moment. Plus que d'habitude. Oh mon Dieu. Depuis quand t'es au courant? Je suis ton père. Je sens ces choses-là. Vous faites tous les efforts du monde pour ne pas vous regarder quand je suis là. Et d'un coup vous êtes... Oh, putain, Lara, maintenant je vois plus que ça. J'en peux plus. Et il te fait rire. C'est parce qu'il est un peu idiot. Il se montre plus gentil avec moi, désormais. Il est très nerveux quand il doit me surveiller. Et donc, tu profites de la situation? Moi? Jamais. Abby, regarde. Des traces récentes. On va voir si on peut trouver autre chose. Attends un peu. Ce serait pas une manière détournée de m'apprendre le pistage par hasard? Je ferais jamais ça. Et encore ça... cet escargon du démon. J'ai retrouvé ta trace. Oui, mais tu as triché. Sois prête à tout pour réussir. Waouh. Ça t'arrive donc d'écouter? T'as des éclairs de génie, parfois. Papa, j'ai trouvé... quelque chose. Oh, c'est pas vrai. Elle a déjà mis bas. Ah. Oh. Et regarde, deux paires de traces. Papa? C'est elle. On y va. Elle a pas l'air bien. Non, elle souffre. Abby. Allez. Papa, attends. Et s'il y avait des infectés dans le coin?
On craint rien ici. Ils peuvent être n'importe où. T'as ton flingue avec toi? Évidemment. Alors je me fais pas de soucis. Merde. Abby. Tu me saoules, Padré. Il faut qu'on la libère. Tout va bien, du calme. T'en fais pas. Pas te faire de mal. Tout va bien. Merde. Elle est vraiment coincée. Ok. Abby, viens ici. Tiens. Je vais la tenir. D'accord. Ok. Doucement. Doucement. Doc, vous êtes là? Par ici, Owen. Mais... S'il te plaît, viens m'aider à la tenir. On a besoin de vous. Owen. Tiens là. Allez. Attention. Ok, tu la tiens bien. Ouais. Ok, à toi de jouer, Abby. Mais doucement. Oh putain de merde. Tout le monde vous cherche. Attendez. Papa. Quel relou le padré. Qu'est-ce qui se passe? Allez. Ah, l'hôpital. Je le reconnais. On a fait du bon boulot. Doc, la fille est arrivée. Quelle fille? Celle dont Marlène parle tout le temps. Voilà. On l'a trouvée dans le tunnel. Elle a une vieille morsure au bras. Aucun signe d'infection. C'est pas possible. Ils sont déjà en train de faire des tests, mais... faut que vous alliez voir. Papa... On y va. La marchandise. C'est relié au cerveau, on n'a pas d'autre choix. Il doit y avoir un autre moyen. On ne peut pas prélever le spécimen sans détruire l'hôte. L'hôte. C'est une enfant, pas une boîte de pétri. Tu crois que je... J'ai conscience de ce qu'on doit faire. Tu veux parler de la tuer, non? Non, je veux parler de créer un vaccin qui sauvera des millions de vies. Combien de lucioles sont mortes pour moins que ça? Parce que c'était leur choix. Tu demandes mon avis ou t'as déjà pris ta décision? Marlène, je veux que tu sois de notre côté. Et si c'était Abby? Écoute, tout ce qu'on a pu faire, tous ces sacrifices, toutes ces atrocités... Tout ça serait justifié par cette seule action. Si on parlait de ta fille, qu'est-ce que tu ferais? Abby. Je t'ai apporté à manger. Merci, ma chérie. Écoute, Marlène... Fais-le. Merci. Je vais prévenir Joël. Pourquoi? Il a traversé tout le pays avec elle. Il a le droit de savoir. Bonne chance pour l'opération. Pris la bonne décision. Ouais. Si c'était moi, j'aurais voulu que tu m'opères.
Pour les gens qui découvrent, vous commencez à comprendre un élément supplémentaire. Putain, il est encore dans les parages. C'est... Abby. Non ! Abby, relâche-toi ! Joël, lève-toi, putain! Pitié, fais pas ça! Pitié! Non, Joël, allez, lève-toi! Attends! Non! Non! Va au diable, Pendero. Arrête de te pisser! Eh hey, oh, qu'est-ce que tu fais? Manny. Je fais le ménage. Non, on est là pour lui, c'est tout. C'est trop risqué de le laisser partir. Non, mais tu t'écoutes. Il a raison. Il faut finir ce qu'on a commencé. Si on les tue, on vaudra pas mieux que lui. Ils ont rien fait de mal. Ah ouais? T'as vu ma gueule? Je l'emmerde, ta gueule. T'aurais dû monter la garde là-haut, comme je te l'avais dit. Bouge! Recule. Tu te calmes. Ou quoi? Recule, putain. Calmez-vous. Jordan. Tu vas me buter. Stop. C'est fini. Ouais, au final, Abby égale Ellie. Elles ont maintenant beaucoup de points communs. Ouais, mais c'est ça. C'est tout à fait le parallèle, quoi. Du calme. Ça va pas, Abby? Ouais, ça va. Et toi? Je t'ai cherché partout. On a besoin de nous. Isaac nous demande sur le front. Quoi? T'es sérieux, là? Et Isaac, c'est notre chef, du coup. Quel plaisir. Faut qu'on y aille. Quoi, là, tout de suite? Ouais. Vámonos. Ok. Du coup, vous avez compris, ceux qui ne connaissaient pas, que au-delà de cette vengeance de du fait qu'on a cancel le vaccin possible, c'est encore plus personnel que ça. C'est qu'en fait, le médecin chirurgien qui devait faire l'opération, c'est le père d'Abby. Voilà. Donc, il y a un côté très personnel dans cette vengeance. Oh, j'ai le cou en vrac. Au fait, merci de m'avoir laissé la chambre hier soir. De rien. C'était qui cette fois? La fille qui cuisine? Non, celle de la météo. Elle a quitté sa montagne. Oh, la télo alors. Sympa. Ouais, sauf qu'elle est un peu trop obsédée par son boulot. Elle a pas arrêté de me parler d'une tempête et... je sais plus quoi. Et ça valait le coup? Oh, carrément. Je peux mourir heureux maintenant. Tu m'étonnes. Tu pourras pas trouver mieux qu'elle. Je sais pas pourquoi, j'ai vu ce commentaire de nombreuses fois sur le physique d'Abby. Ouais, elle est musclée, ouais. Et alors, c'est aussi étonnant que ça? Bonjour, mademoiselle Potts. Bonjour, Manny. Ah, elle aussi? Un gentleman sait tenir sa langue. Non, mais c'est pas courant, j'entends, mais bon, ok, c'est ok, bon. Est-ce qu'on en fait un sujet de conversation? Je suis pas sûr, mais... D'ailleurs, je pense que je l'ai dit dans le premier Let's Play, genre, waouh, la carrure! Voilà. Ensuite, on passe à autre chose. Content de te revoir aussi, Abby. Hey, Jordan, je t'avais pas vu. Tu viens avec nous au Cerevena?
On doit aller à la base avec Manny. Qu'est-ce que tu vas faire au Cerevena? Il faut qu'on aille évacuer l'hôtel et l'école. On prend le matos et on ramène tout le monde à la base. Sérieux? Ouais, j'arrive pas à croire qu'après tout ça, on se replie. On sait pas si c'est ça. Au moins, Léa reviendra plus vite de la station télé. C'est déjà ça, ouais. Faut que j'y aille. Que ta vie soit longue. Et que ta mort soit rapide. Alors ça, par contre, c'est pas possible. Je vous jure, ça m'énerve. Bonjour. Ah, Abby. Vous allez bien? Je vais très bien. Tu voudrais pas lui demander d'enlever ça? J'ai essayé. Eh, ça me va bien. Tes vêtements sont horribles. Bah, t'en as une aussi, toi. Faut qu'on y aille. Fais attention à lui. Pour vous, bien sûr. Non, mais c'est ok, Poseidon, c'est juste que je repense à des commentaires qu'il y avait sur le premier Let's Play, c'est pour ça que je rebondis comme ça. Y'a quoi au menu? Des burritos, encore. Ok. Abby, qu'est-ce que tu fais? Hey, tenemos prisa, dame tres burritos. Eh, dis donc, tu pourrais faire la queue. Putain, Manny, ça se fait pas. Excuse-moi. Attends ton tour, comme tout le monde. Désolé. On doit aller au front, ok? C'est hyper embarrassant. T'en prends trois? Prends-en un. T'énerve pas. Mel vient avec nous. Manny. Il est où ton sac? Dans ton cul. Pourquoi tu me fais ça, hein? Parce que vous êtes mes amis. Et que j'en ai ras le cul de vos histoires. Elle est au courant que je viens, au moins? Ouais. Et elle est d'accord? Ouais. Pourquoi quand tu dis oui, j'entends non? Et peut-être parce que j'articule mal? Allez, arrête un peu d'être parano. J'ai l'impression que ça t'éclate de me mettre mal à l'aise. Non. C'est juste l'occasion de faire la paix et enfin passer à autre chose. On s'est à peine adressé la parole depuis Jackson. Je suis censé faire comme si rien ne s'était passé? Bien sûr que non. Faut juste que vous en discutiez. Elle voulait la peau de Joël tout autant que nous. Mais tu sais bien qu'elle est pas comme nous. Elle avait encore jamais fait un truc pareil. Tu parles, elle tue des scars à tour de bras. Ouais, mais pas comme on a tué Joël. Je te rappelle qu'on est des troufions, nous. Elle est médecin. Fais un effort, Abby. Elle fait partie de la famille. Fais-le pour moi, d'accord? Je vais essayer. C'est tout ce que je demande. Ça m'a fatigué de monter ces escaliers-là. Prépare tes affaires, je vais chercher Mel. Ouais. Sois gentil. Va chier. Une scientifique, hein? Ah. C'est le QG du WLF, c'est ça? Le stade, il me semble. Non, je ferai ça plus tard. Toc. Alors, t'es prête? Ouais, j'arrive. Salut. Salut. Ils t'ont déclaré apte pour le service? Pour l'instant.
Ils te mettront au repos, si tu demandes. Non, je préfère rester active. Et Owen est d'accord? Il devrait décider à ma place. On prendra Alice en partant. Hé. Hey. Essaye encore. Ah là, elle est très enceinte. Hein. Et qu'est-ce qu'ils te veulent exactement? C'est juste une patrouille de routine, t'inquiète. Et ça t'embêterait d'aller voir mon père à ton retour? Il a l'air, je sais pas, mal en point. Comment ça? Bah, en fait, il se plaint de fortes douleurs dans les poignets. Il peut à peine tenir une cuillère. On peut peut-être lui donner plus d'antalgique. Il paraît qu'Owen et toi, vous êtes dans la section 96? Ouais, c'est sympa. C'est plein de... C'est quand même pas mal leur camp, hein. Vous devez être impatient. Que le bébé arrive. Voir tous ces enfants courir partout. Ouais, je me prépare. Théma, les patates. Théma, les grosses patates. Tous ces mioches qui braillent. Owen doit devenir dingue. Il a encore rien vu du tout. Il est en patrouille avec Danny. Danny? Aïe. Pas de bol. Ouais. Parle pas d'enfant, Mel. Merci. Mais c'est vrai que c'est un bon plan, hein, de se foutre ici, là. Ils ont mis les animaux sur le terrain. Il y a l'air d'y avoir des agricultures en escalier, là-bas. Les chiens. Du coup, là, ils sont gentils avec nous. Les dogos. Super. Alice, c'est le chien. Oui, on va chercher Alice. Hé, hey, ma belle. Salut, grosse bête. Hé, hey, voilà ma préférée. La seule qui te supporte, ouais. Sois pas jalouse. Hé, hein? Hey, Al, tu veux voir les camions? Allez, on y va. Mais toi aussi... Oh, il a de la balle. Ok, mais juste parce que t'es gentil. J'en t'appelle. Donne la balle. Ah, ça... Et oui, on les a tués, mais c'est le jeu, il est cruel. C'est le jeu, il est cruel, voilà. Le jeu, il est cruel, le chien. Voilà. Ah. Désolé, c'est ma faute. La vie, c'est cruel. Je t'ai pas aperçu avec Jenny hier soir? C'est possible. Quel tombeur. Oh, il regarde la balle. Il regarde le mur. Oh... Ça a l'air de lui plaire. J'ai trop de peine. Au moins, elle n'est pas obligée de se battre, elle. Je trouve pas que ce soit un avantage. J'aimerais bien y échapper. Et juste soigner des familles. Comment elles sont belles. Ça te manquerait de plus bousiller de Scar. Non, je crois pas. Moi, ça me prendrait dingue. Mais... Salut, Abby. Salut. Repose en paix. Salut, Pat. Hey. Ah, d'accord, il y a le...
Il y a le mur avec les morts. Mais... Salut Pat, comme d'habitude. Ça marche. Gracias. Y'a quoi comme bagnole? Prenez la S24. Mon chien croit qu'il y a eu des moutons. Mais... Wow. Est-ce que le chien il a fait? Que ta vie soit longue. Que ta mort soit rapide. Je vais peut-être m'échauffer un peu. Que quelqu'un aurait de la graisse? Eh, et si on se faisait un petit concours? Le perdant nettoie l'appart. On joue gros. Le meilleur sur un chargeur plein? Ok, capable. Les oreilles en triangle. Oh, les chiens, vas-y. Je veux des chiens. Oh putain, elle bouge dans tous les sens. La prochaine fois, je prends ce flingue. Ouais, c'est le flingue qui fait tout. Oh, d'ailleurs, il y a une tonne de vaisselle à faire. T'es pas cool. Oh, tu peux plier mon linge aussi. Tu butes tout le monde. On aille à la base. Des munitions, si vous voulez. Je sais pas si c'est vraiment nécessaire de s'entraîner comme ça et de gâcher des munes là, quoi. En vérité. Oui, oui, c'est qui le gentil chien? Ouais, c'est son pote. Enfin, c'est son coloc aussi. Je crois qu'ils sont son coloc. Alice va devant. Mel est enceinte. L'air frais lui fera du bien. Comme ça, vous pourrez papoter. Rassure-t-il. Dogo. Gracias. Bon, du coup, à la lumière de tous ces événements, vous ressentez quoi pour Abby? Vous la détestez? Vous êtes neutre? Non, en un mot, hein, sinon on va rien comprendre si vous me faites un pâté. Ok. Bon, je suis content de vous avoir envoyé en majorité sur le neutre. Et vous avez prévu de la reconstruire? Haine. Non, Zag dit que c'est pas une priorité. On pêche pas mal de saumon sauvage. C'est lui, Bulbino. Dire quoi pour moi, Irwin? Je l'ai pas vu depuis 2 semaines. Il arrête pas de prendre des missions. Tu lui as parlé? Il t'a dit quelque chose? On se parle jamais. Enfin, je croise au réfectoire, mais c'est vite l'un l'autre. Jackson. Accrochez-vous! Mais, tirez les walls! Ça tombe. Ouais. Tirez! Et on
Je vais tirer dans les pneus du cheval. Descendez-les. J'essaie. Vas-y, contourne-les. Vite au réservoir. Alice, planque-toi. J'ai pris fort cher. La voie est libre, on y va. Allez, on va sécuriser la zone. Alors attendez, faites le point. Nous avons deux trousses de soins. Nous pouvons faire des bombes tubes. Ça, c'est des greux. Ça, c'est de la greux, ça se reconnaît, ça. Du silencieux. Au niveau des pilules, on peut améliorer notre santé, mode écoute, bla, bla, bla. La pièce de la Virginie. Niveau armes, nous avons petit pétard et nous avons gros pétard. Une pièce. On ne se soigne pas, hein. Jaja, on se soigne. Péter ? Non, on peut pas péter. Hé, hey, Abby. Il y a assez de matos pour fabriquer un tuyau explosif. Compris. Je vais rester là. Faites votre truc. Pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas de fumigène. J'ai compris pourquoi c'est appelé mode survivant, peu importe le nombre de balles dans la tête, les ennemis survivent, ça rend fou. Bon là, c'était scripté, donc c'est pas pareil, mais... On aurait peut-être mieux fait de rester dehors. Non, ça va aller. Alice! Respectez le yinche! Là-dedans. Regarde, on a de l'accompagner, désinfecté. C'est rien. On en a vu d'autres. Faut qu'on améliore le mode écoute parce que là, elle écoute rien du tout, elle voit pas à travers les murs, elle est complètement nulle.
Abby, il utilise pas le mode écoute, quoi. Trop marrant. Nous sommes dans un magasin de portes. Le mode écoute, quoi. Mais mort de rire, aucun intérêt. Monstre et compagnie à deux doigts de trouver celle debout. C'est la porte debout. Je me souviens que dans le let's play, Manny nous avait fait une grosse blague avec la porte. Genre un screamer. Non mais tu sais, on ouvre la porte pour voir ce qui se passe. Et il y a Manny qui passe et qui la ferme devant nous. Mais Manny, je suis pas fan. Je sais pas. Enfin, t'entends ce qu'il dit là? C'est mieux que picoler devant la télé, mais qui dit ça, quoi? Hé, regardez là-haut. On voit de la lumière. Je ferme le rideau trop tard. Fermons les rideaux et cambre-moi le dos. Pas monter là. Dems. Nick. C'est par où qu'on monte? C'est par où? Manny! Ah là! C'est parti. Oh! Fermons les rideaux et cambre-moi le dos. Nicole et Démon. On veut des compos, on veut des compos, on veut des compos. Manny, c'est dans l'âge de glace? Je crois que je l'ai vu qu'une fois, l'âge de glace. Et j'ai jamais vu les suites. Il y a 5 films, c'est le mammouth. 5 films de l'âge de glace? Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien raconter? C'est comme les Shrek, hein, au bout d'un moment, faut arrêter. Hein. Alice! Allez Alice! J'utilise pas de mun! Il y a la meuf enceinte qui galère! Ah!
Ils sont quand même nombreux, hein. Oh, vous êtes quand même nombreux! Il y a quand même du monde, hein. Il y a quand même du monde, hein. Boum sur la machine là. Allez, le frigo, le frigo. Ça hurle, bon Dieu. Très bien. Bah écoutez, battons-nous. Fermons les rideaux. T'inquiète, Manny, ça va. J'essaye de faire un joli tas. Casse-toi, toi. Ouais, bon, d'accord. Est-ce qu'on peut pas juste fuir? Parce que là, ça me paraît beaucoup, beaucoup d'ennemis, hein. C'est grand. C'est très très grand. Oh, il y a des compos. Moi je cours. Les autres font le job. Bon Mel, fais un petit effort s'il te plaît. Ah! Ah! Ma technique ne fonctionne pas. S'il te plaît, accouche quoi. Bon ok, je sais pas comment faire mais pas comme ça. Faut les buter. Ah, ils font trop mal. Le chien. Alice. Le puant. Alice, vas-y. Rien de cassé? Ça va.
J'ai niqué ma Whirlpool. C'est une planque de merde. On va sortir d'ici. Très bien, par contre ça m'a coûté extrêmement cher votre histoire. Moi j'avais l'habitude d'économiser, là, deux bombes tuyaux. Ça ne me plaît pas du tout cette histoire. Rendez les compos. Voilà, rendez les compos. Mais il loot rien, il saoule. Fermons les rideaux, quoi. Cambre-moi le dos. Salut Iris, des bisous. Nightbot et resub, ouais. C'est pas la difficulté max, non. Maximum, c'est réaliste. Survie, c'est juste en dessous. Réaliste, t'as pas le mode écoute. Et tu te prends deux balles et t'es mort, en gros, quoi. Ah. Y'a un sneakers, là. Il est où? Pas grand chose, hein. Manny. Je suis là. Honneur aux dames. Dans un mois, je passerai plus du tout. Vas-y, Abby. Bah, t'as dit honneur aux dames. Ok. Abby, ça me rappelle la serre de ton père. Je vois pas pourquoi. Les plantes sont pas crevées ici. C'est pas faux. Vous savez quoi? C'est peut-être une bonne chose. Vous aviez besoin de ça pour vous rapprocher. La ferme, Manny. Vous voyez, ça marche. Bon, Manny, du coup, à la lumière de ces événements, vous le détestez? Vous êtes neutre ou vous l'appréciez? Je le hais! Je le hais! On l'apprécie. Oh, il me saoule. Il est lourd. Ouais. Hey, si tu sais pas quoi en faire, je connais un super jeu de picole avec des pièces. jeu de picole là. Mais honneur aux dames. La mistinguette. Abby est pareil, je sais pas. Elle lui répond. À lui, tu vois, elle se met à son niveau. J'ai pas l'impression que s'il est pas là, elle fait pareil. Ou moins. Je pense que Manny est amoureux de Abby. Et c'est ça le problème, finalement. C'est pour ça qu'il saoule. Ça veut dire quoi que tard? Ça veut dire qu'il couche souvent avec des gens? C'est ça?
Mais c'est quoi le rapport? Est-ce que coucher souvent avec des gens fait de toi quelqu'un de chiant? Je crois pas. La base est droit devant. Pas de car en V. Ils sont là. Ouais. Allez, on continue. Je me souviens plus si Ellie a tué Manny. Salut Skyplay. Merci. Bon sang. Vous vous souvenez quand on pouvait passer par là sans se faire attaquer par les Scar? Tu regrettes l'époque de la trêve? C'était la belle vie, hein? Un peu trop belle. On leur a fait confiance. Et ils ont pendu toute une escouade. S'ils l'ont fait, c'est parce qu'on a flingué ces gosses. Peut-être bien, mais ces gosses ont attaqué nos gars. Qu'est-ce que t'aurais fait, toi? J'en sais rien. Pas les criver de balles, en tout cas. Ouais, bah pour moi, nos gars passent avant tout. Manny, c'est juste des gosses. C'est pas leur faute. C'est pas la nôtre non plus. Tous ces morts, c'est à cause d'eux. Si tu le dis. Ouais, c'est jamais la faute de nous. C'est toujours la faute de l'autre groupe. C'est toujours les autres, les méchants, bla bla bla. Mais c'est vachement calme ici. Surveillez bien les environs. Les chiens! Les chiens, c'est jamais leur faute. Voilà! Faut bien que ce soit la faute de quelqu'un. Ça peut pas être la nôtre, mais bien sûr que non, c'est toujours les autres. Mais bien sûr. Mais bien sûr, c'est pas notre faute. Mais attends, ma faute? Ma faute? Mais attends, tu l'as vu? On devrait être de l'autre côté de la clôture. On coupe par l'intérieur? Ouais, ça nous a vachement réussi la dernière fois. T'as autre chose à proposer, Manny? Non, je suis juste énervé. Quelque chose qui bloque la porte. Peut-être qu'il y a une autre entrée. Là-haut. Manny, va voir en haut. J'y vais. Tous ces gens qui savent monter à la corde. J'arrive même pas à me tenir. Le câble est coincé, on dirait. Petite blague lourde, Manny. Manny ? C'est bon. Ah non. Vas-y, grimpe. Mel, reste avec Alice. Je vais essayer d'ouvrir cette porte, histoire de vous faire entrer. Cool. Fais attention. Alors ? Toujours pas de Scar en vue. Ils ont peut-être laissé tomber. Tu te crois drôle ? Non, juste optimiste. Lukiko, merci. Oui, moi je suis dans la première vague, hein, je vous rappelle. Moi, je ne monte pas à la corde, je n'ai aucun cardio. Moi, j'attends les zombies, je leur dis, venez. Putain. Ça a à peine commencé, j'ai déjà abandonné. Ouais, c'est clair. Comme le prouve cette mort. Pourquoi elle a sauté? Je lui ai rien demandé. Ça va pas. J'imagine Manny à côté, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est vachement haut. C'est parti. Bon, avant que les zombies arrivent, je m'enduis de ketchup. Ok, Mel. C'est bon. Je suis à la porte. Je me la colle dans le tambour. Et zébardi.
Bouge ton cul, Mel. De rien. C'est pas la promenade, là. Elle saoule. On aurait dû la laisser bloquer de l'autre côté. Oh, regardez ça. Ça, c'est ce que j'appelle un entrepôt. Faudra qu'on revienne dans le coin. Le commandement réclame sans cesse des pièces détachées. Toco. C'est ça qu'elle profite de la vie, Mel. Hein. Ah, un établi déjà. Attends, on va faire le tour avant. Il faut améliorer, vous le savez, qu'est-ce qu'on améliore en premier ? Qu'est-ce qu'on améliore en premier ? Attention ! C'est passible de ban si vous vous trompez, attention ! Mais il y a un cadavre là ! La précision, le bandage. Mais on n'a pas d'arc, Mac ! Tu saoules ! Je te time out. Mais il n'y a pas d'arc ! Je vais tous vous ban. Stabilité. On va faire la stabilité. On va surtout faire une pause pour YouTube. Hein. Je voulais dire stabilité, c'est pareil. Qu'est-ce que t'as dit, Gricknot ? Je remonte. Je remonte. Précision. Devant un juge, ça ne passerait pas. Je sais pas ce que je raconte. Coupable ! Coupable ! Approchez, Gricknot ! C'était un peu violent ce coup de feu, je suis désolé. On ne joue pas avec les armes. On rigole pas avec les armes d'ailleurs. C'était déplacé, je m'excuse. J'améliore mon pétard. Stabilité. Mon père m'emmenait à la pêche sur un bateau comme celui-là. J'avais systématiquement le mal de mer. Je détestais ça. Magnifique. Salut F9 Benji. Merci du conseil. Ok, petit pétard, c'est bon. Gros pétard. C'est bon. Dites au revoir. Au revoir.